Bonsoir les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Et c'est une joie pour moi de vous accueillir dans ce lieu ce soir. Hein? Et je crois que le Seigneur aura quelque chose pour nous. Hein? Amen. Moi, je ne sais pas, mais je suis venu avec une attente dans mon cœur. Amen. Et s'il y a une prière en ce moment dans mon cœur, mes frères et sœurs, c'est de dire, Seigneur, rends-moi comme un petit enfant. Parce que c'est tellement plus facile quand on se présente devant l'Évangile avec une simplicité. Ça dispose nos cœurs à recevoir. Et c'est ce que je veux vivre ce soir, mes frères et sœurs. Je ne veux pas juste vivre une expérience intellectuelle avec la parole de Dieu, mais nous voulons vivre, mes frères et sœurs, une expérience de cœur. Hein? Que Jésus puisse toucher nos cœurs, que nous puissions venir comme des petits enfants et que nous puissions recevoir de lui la vie. Amen, mes frères et sœurs. Donc allons se lever et on va placer ce moment-là devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce sur nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Parce que tu nous as aimés, Seigneur Jésus. Et aide-nous à reconnaître cet amour que tu as eu pour nous. Et combien, Seigneur, nous savons que les temps que nous vivons sont incertains. Mais en même temps, Seigneur, tu es en train de prendre soin de ton Église. Et tu le fais, Seigneur, en nous révélant ta parole. Seigneur, ce que nous voulons ce soir, c'est que le ministère de l'Esprit soit à l'œuvre. Amen. Seigneur, que le ministère de l'Esprit, Seigneur, nous touche, Alléluia. Nous révèle ton cœur. Alléluia. Nous savons que tu es en train d'établir ta doctrine, Alléluia, au milieu de nous. Oui, Seigneur. Et Seigneur, ce sont des moments excitants. Parce que Seigneur, le monde n'a pas connu ces choses. Mais à tes enfants, tu as fait cette grâce. Jésus. Et Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous les besoins dans ce lieu, Alléluia, ce soir. Nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent. Seigneur, parce que nous sommes encore dans ce monde, il y a encore des situations. Mais Seigneur, nous ne sommes pas sans espérance. Amen. Seigneur, ton amour est là pour nous. Alléluia. Tes interventions sont là pour nous. Alléluia. Tes miracles sont là pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Pour cela, Seigneur, ce soir, ouvre nos cœurs. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Alléluia. Merci aussi pour ton serviteur qui va emmener ta parole. Seigneur, que ton esprit le guide. Que ton esprit l'utilise. Oh Seigneur, nous nous réjouissons en toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple. Je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chant. Tu es la raison de ma joie. Je me tiens dans ta présence, avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir. Avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce. Tu m'entoures de ta grâce. Mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé.
le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Tu m'entoures de ta grâce, Seigneur. Tu m'entoures de ta grâce. Mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures. Tu m'entoures de ta grâce. Mon cœur est chant. Tu es la raison de ma joie. Tu es la raison de ma joie. Tu es la raison de ma joie. Alléluia. Tu es la raison de ma joie. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur mon Dieu, je veux t'adorer mon roi, t'honorer Seigneur, te donner la gloire Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur, oh mon Dieu tu es grand et tout puissant. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut. Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux,
chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia, Seigneur Jésus. T'adorons, Seigneur, ce soir. Oui, nos cœurs se courbent devant toi, Seigneur, car toi seul es la majesté. Alléluia, Jésus. Ah, ta majesté et à ta beauté, je m'abandonne. Et à ton amour, je m'abandonne, car tu es le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, tu es digne de louange. De tout mon cœur, de toute ma force, je m'abandonne. Alléluia. À ta majesté et à ta bonté, je m'abandonne. Et à ton amour, je m'abandonne, car tu es le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, tu es digne de louange. De tout mon cœur, de toute ma force, je m'abandonne. Car tu es le seul vrai Dieu, car tu es le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, tu es. Seigneur Jésus, car tu es le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, tu es digne de louange, de tout mon cœur, de toute ma force, je m'abandonne, de tout mon cœur. De toute ma force, je m'abandonne, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute ma force, je m'abandonne. Alléluia, je m'abandonne à toi, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia, oh Alléluia, Seigneur. Oui, je me donne à toi, Seigneur, ce soir. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Car tu es ma force, Jésus. Tu es mon espérance. En toi je me confie, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Jésus, mon Dieu. Alléluia, c'est toi qui me sors de l'épreuve, Seigneur. Tu tiens ma main, Jésus. Tu es là pour moi, oh mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Je veux être là où tu demeures. Chaque jour dans ta présence, je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence. Et me rassasier de toi. Entouré de ta gloire. Dans ta présence. Que je veux habiter, je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures. Pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être près de toi, Seigneur. Je veux être Alléluia. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence, et me rassasier de toi, entouré de ta gloire. Dans ta présence, c'est là que je veux habiter. Je veux Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es. Demeurer dans ta présence. Et me rassasier de toi. Entouré de ta gloire. Dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer. Je veux demeurer avec toi. Alléluia. Je veux demeurer dans ta présence, mon Dieu. Oh, gloire à ton Alléluia, nom. Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Oh, Seigneur. Notre cœur est comblé.
parce que tu nous as sauvés. Nous ne méritions rien, mais tu es venu vers nous. Tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle, tu nous as pardonné nos péchés. Tu as fait de nous le peuple le plus heureux de la terre, les gens les plus heureux de ce monde. Parce que ce salut ne peut être mesuré, comparé à rien d'autre de ce monde. Et nous te louons pour cela. Nous savons quel est l'héritage qui est le nôtre, Seigneur, un héritage glorieux. Nous savons qu'il est glorieux, qu'il surpasse tout ce qu'un homme peut posséder dans ce monde. Et nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, de nous construire, d'être à l'œuvre dans nos cœurs, dans notre vie, pour que nous puissions aller jusqu'au bout de notre course, terminer notre course dans ta gloire. Alléluia, merci Seigneur pour ta fidélité. Est-ce que Dieu est fidèle pour nous amener dans la plénitude de son plan à la fin de notre course? Il est fidèle. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Je vous accueille tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce soir, je ne sais pas trop par quoi commencer ce soir. Mais vous vous souvenez qu'on a, parlé du dimanche du fondement. Comment nous devons prendre notre croix? Si nous voulons servir le Seigneur, Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Nous avons donc vu que là où est le Seigneur, c'est qu'il est mort et il est ressuscité. C'est là que nous devons le servir, c'est là où il est, dans la puissance de sa résurrection. Et pour y arriver, il faut passer par la mort. Et quand on accepte de prendre notre croix pour le suivre, quand nous renonçons à nous-mêmes, nous serons sur ce fondement de sa mort afin d'expérimenter sa résurrection. Nous mettons notre chair sur le fondement de la mort afin que la mort agisse. La mort qui est dans la croix doit agir dans notre vie afin qu'on goûte à la vie du Seigneur. Pour nous, au travers de nous, nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne de cette manière et non pas à être de bons religieux qui cherchons à accomplir nos devoirs, prendre notre responsabilité, etc. On peut tellement avoir un ton qui est religieux dans tout ce que nous faisons, mais ce que Dieu veut, il veut qu'on le serve avec la vie de son Fils. On peut voir que c'est là la sécurité de la vie chrétienne. C'est qu'on soit bien fondé en Jésus-Christ, fondé dans la foi. On va voir même qu'il est fondé dans l'amour de Christ, pour devenir inébranlable. Inébranlable. Si on va dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, et le verset 10, on peut voir que pour que le Seigneur nous établisse fermement sur le fondement, Dieu le fait aussi au travers des épreuves qu'il permet dans notre vie, où notre nature charnelle va être secouée et nous allons le laisser traiter notre vie et enlever les bouts et permettre que les bouts qui ne sont pas de lui, qui sont de la chair, tombent, de manière à ce que à la fin, il ne restera que Christ en nous. Christ sera tout.
Mais c'est un progrès dans l'Évangile, c'est un progrès dans la vie. Perdre de nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, gagner Christ. OK ? Et Paul, Pierre encourage les chrétiens concernant leurs épreuves. Et il leur montre qu'est-ce qu'il y a dans les épreuves. Il ne leur montre pas le diable dans les épreuves. Il y a des épreuves qui sont associées au diable, par exemple dans l'Apocalypse. Il y a des choses qui viennent de l'ennemi. Mais en tout et pour tout, Dieu est en contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu. Et le verset 10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, c'est à cela qu'il nous a appelés. C'est à sa gloire éternelle. En tant que chrétiens, nous, là, tout le temps, nous devons avoir présent à l'esprit que notre appel, c'est la gloire éternelle du Seigneur. C'est quelque chose qu'on doit cultiver maintenant même. C'est là-dedans qu'on doit se voir, c'est l'objectif qui doit être devant nous. Donc, celui-là qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et le mot inébranlable, c'est un mot qui parle de fondement. C'est inébranlable par rapport à la fondation. Comprenez ? Le mot grec, je ne parle pas du mot français, mais c'est être inébranlable parce qu'il y a un fondement qui est inébranlable. Ce n'est pas nous rendre inébranlables dans notre propre force, mais c'est nous rendre inébranlables en nous posant, en nous enracinant, en nous plantant sur le fondement, et que notre vie chrétienne, que Jésus devienne notre vie chrétienne. Jésus doit être notre vie chrétienne, sa vie. Mais pour y arriver, Paul dit que vous aurez à souffrir un peu de temps. Il dit donc, après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance aura fait son travail, il y aura un perfectionnement. Le mot grec « katartizo » veut dire que ça veut dire mettre de l'ordre. Dieu doit mettre de l'ordre dans notre vie. C'est pourquoi quand on est secoué, on souffre. Le Seigneur veut qu'on comprenne. Si nous nous sentons fragiles, il y a peut-être des choses qui ne sont pas en ordre dans notre vie, dans notre manière de voir, dans nos émotions, qui nous rendent fragiles. Donc la première chose, c'est mettre de l'ordre. Ensuite, il dit, il vous affermira. Le mot grec, encore une fois, parle d'une action de Dieu qui, après avoir mis de l'ordre, là-dedans, ça veut dire mettre de l'ordre dans nos pensées aussi, nous montrer la doctrine, il vous affermira, sterizo. Il tournera votre cœur dans une seule direction, d'une manière résolue. Tant qu'il y a le désordre, on ne peut pas prendre une seule direction. Le désordre dans notre vie nous fait prendre plusieurs directions, nous fait faire des petits bouts de chemin. Il faut que le Seigneur mette de l'ordre. Et ça, l'Évangile est révélé pour qu'on se repente, pour qu'on réponde, pour que l'ordre vienne. Donc, au mot « ordre », associer tout ce qui est ordre. Il peut y avoir du désordre dans notre vie à beaucoup de niveaux. Au niveau de notre soumission, au niveau de la manière dont on sait à Dieu, il peut y avoir beaucoup de désordre. Le désordre peut être là à cause du péché, que nous entretenons, mais il faut de l'ordre, et le Seigneur promet qu'il va nous affermir, c'est-à-dire qu'il va nous mettre, il va nous tourner résolument dans une seule direction, la direction qu'il a prévue.
Vous voyez numéro 1, numéro 2 là. Et il dit ensuite, il vous fortifiera. C'est là qu'il va vous fortifier. Quand vous aurez accepté le catartizo et le stérizo, l'ordre dans votre vie, ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec l'évangile, l'ordre que Dieu vous propose, vous sortez de votre désordre et vous acceptez l'ordre que Dieu vous montre, ce qui est de l'ordre pour lui. Et que quand vous l'acceptez, votre cœur se tourne résolument dans la bonne direction parce que vous commencez à voir clair. Les choses deviennent claires pour vous. Vous ne courez plus à l'aventure. Vous savez où vous allez. À partir de ce moment-là, il vous fortifiera. Il vous fortifiera. Il communiquera une force. Sa puissance agira en vous. Et il vous rendra inébranlable. C'est-à-dire que là, vous avez rendez-vous avec Christ, le fondement. Vous serez ferme sur le fondement. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Donc, c'est ça le but de la vie chrétienne, le but de tout ce qui nous arrive. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous ne sommes pas livrés au hasard, à des circonstances. Dieu a pris notre vie en main. C'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui permet certaines épreuves. C'est lui qui en contrôle toutes choses pour notre vie. Ce qu'il ne permet pas pour nous ne nous arrive pas. Ce qu'il permet arrive. Et s'il y a des souffrances, nous devons comprendre le but qui est dedans. Parce que quand on parle de l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui est associée à des souffrances. Ce n'est pas un travail qui se fait dans la facilité. C'est pourquoi, dès le départ, Jésus parle à ses disciples, à ceux qui veulent le suivre, et il dit, eh ben, si vous voulez me suivre, prenez votre croix. Vous devez prendre votre croix. Il y aura une souffrance, il y aura de la souffrance, il y aura des épreuves. Vous serez persécutés, vous aurez diverses épreuves, mais vous aurez à prendre votre croix pour tenir ferme dans la direction que je vous montre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir contre cette direction que je vais vous donner, qui est de donner votre vie pleinement comme moi je donne ma vie. Donc, Pierre dit que le Dieu de toute grâce fera tout cela. C'est le Dieu de toute grâce. C'est-à-dire, dans toutes ces choses, sa grâce sera là. Si on prend notre croix, dans les moments difficiles, sa grâce est là pour œuvrer en nous. Nous sommes l'œuvre de la grâce de Dieu. Ce que nous sommes appelés à être, c'est par sa grâce. Nous ne pouvons pas produire cette œuvre-là, mais nous devons nous laisser faire. Et nous devons renoncer à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que notre nature charnelle va toujours s'opposer à son œuvre. La chair s'oppose à l'esprit. Et l'Évangile sera toujours là pour nous montrer qu'est-ce qui en nous s'oppose à son esprit. Que nous pouvons croire que c'est bien. C'est comme Pierre, quand il a repris le Seigneur, que le Seigneur lui parlait, lui montrait qu'il allait mourir, Pierre a dit, Seigneur, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il croyait manifester un super cœur. Mais Jésus va lui dire, mais arrière de moi, Satan. C'est un choc. Et il y a un choc que l'Évangile peut produire dans notre vie, où nous croyons être en train de faire ce qui est bon, mais c'est la pensée de l'homme, c'est la pensée du monde qui nous anime. Et c'est l'Évangile qui est là pour nous reprendre, pour nous arrêter, pour nous ramener à l'Évangile, pour nous ramener dans la bonne direction. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et pour que le Dieu de toute grâce œuvre en nous, il faut s'humilier parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, il résiste à Dieu et Dieu lui résiste. L'homme humble, il s'humilie. Il accepte. Mais il a une lumière, le chrétien humble. Il sait que Dieu est à l'œuvre en sa faveur. Qu'il n'y a rien qui tournera en sa défaveur.
Hein, c'est la foi. On croit cela, on prend notre croix. On fait ce que la parole de Dieu nous dit afin de trouver, de devenir inébranlable, c'est-à-dire qu'on aura ce fondement-là dans nos vies. Donc nous avons vu dimanche, et je vous encourage, si vous n'étiez pas là, à prendre le message, hein, mais comment nous avons beaucoup d'éléments dans notre vie qui sont terrestres, et quand nous sommes éprouvés, on sent qu'on est fragile, on est déstabilisé. Hein. Je vous ai montré comment il y a des gens qui ont pour fondement l'attente qu'ils mettent sur les autres. Donc, quand les autres ne correspondent pas à ce qu'eux, ils veulent, comme les autres, c'est leur fondement, ils sont secoués. L'état des autres, ils dépendent de la perfection, et c'est comme de la perfection des autres. Et c'est pourquoi ils deviennent légalistes. Ils n'acceptent pas les défauts et les faiblesses. Parce que les faiblesses des autres les dérangent. Et les chrétiens qui veulent vivre leur vie au milieu de la perfection. Ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes, ils s'excluent de cela. Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Donc, c'est des mauvais fondements desquels on doit sortir. Et il y a une souffrance pour sortir de là parce qu'on peut ressentir des choses charnelles, mais on ne va pas s'associer en parole et en œuvre avec ce qui est en train de se passer, qui résiste, cette chair qui ne veut pas. Mais on va prendre une croix, notre croix, pour la faire mourir. Parce qu'on va discerner que ça, c'est la chair. Que ça, c'est à la croix. Jésus l'a amené à la croix. Donc, en tant que disciple du Seigneur, on va faire mourir ça. Et on va renoncer à être quelqu'un qui met des attentes sur les autres. On va renoncer à ça. C'est pourquoi le Seigneur dit que si on veut le suivre, il faut renoncer à nous-mêmes. On renonce à ça. On dit non. C'est comme ça qu'on détruit les mauvais fondements et cela nous permet d'être plus fondés, enracinés en Jésus-Christ. Le travail de l'Esprit se fait en nous et il y a une œuvre en nous qui fait que nous devenons inébranlables. Et au fur et à mesure, nous rencontrons des épreuves et nous arrivons à les surmonter. Nous arrivons à les surmonter. Parce qu'il y a une chose aussi qui se passe sur ce fondement, et nous allons le lire dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On a vu tout à l'heure que le Seigneur nous fortifiera. D'accord ? Le but d'être fort, c'est qu'on arrive à prendre une position, malgré la souffrance, une position qui est claire et on ressent que le Dieu de toute grâce est avec nous dans cette position, dans cette situation. Le Dieu de toute grâce est avec nous parce qu'on n'est pas en train de s'identifier à la chair, mais on est en train de s'identifier à Jésus. D'accord ? D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Fondé dans l'amour. C'est le même mot grec, thémélio, qui est traduit par inébranlable dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. C'est le même mot qui vient là. Enraciné et fondé, oui, enraciné, ailleurs se traduit inébranlable. Enraciné et fondé, le mot là, la traduction est plus proche du grec, parce que c'est fondé, parce que thémélio veut dire, ça parle d'un fondement. Fondé dans l'amour. On est fortifié, et ce qu'on va trouver dans ce
Sur ce fondement, quand on tient ferme, on va trouver l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est cet amour-là qui sera un fondement. Hein? Ça ne va pas reposer sur nos émotions ou sur... Mais c'est l'amour de Dieu qui va prendre le dessus. Cet amour dont Paul dit qu'il supporte tout, qu'il excuse tout, qu'il croit tout, qu'il supporte tout. Ça, c'est le fondement. Quand on a ce fondement-là, on supporte tout, on excuse tout, on croit tout. On ne soupçonne pas le mal. On est animé d'un cœur qui surpasse les événements, l'état des gens. On n'est plus redevable à leur état. C'est là qu'on ne met plus d'attente sur les gens. On ne met plus d'attente sur personne. On a l'amour. Quel amour, hein? Fondé dans l'amour. Afin que, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ça c'est une expérience à vivre sur la terre. Parce que Paul n'est pas en train de parler de quelque chose qui va se passer dans l'éternité future. Il parle aux Éphésiens de quelque chose que Dieu veut faire. Et il ne veut pas qu'il diminue, qu'il sous-estime ce qu'il est en train de leur dire, tellement il leur dit au verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Il ne parle pas de quelque chose que Dieu va faire un jour, quand on aura la vie éternelle, un jour dans l'éternité. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il parle d'une expérience présente. Cette puissance peut agir en nous et faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est une expérience présente. Quand on laisse Dieu travailler notre vie, il nous rendra inébranlables dans l'amour. Vous serez fondés dans l'amour. L'amour de Christ deviendra votre fondement. C'est sur cette base-là que le chrétien arrive à tendre une joue quand il est frappé sur l'autre. C'est la réponse de l'amour, ce n'est pas la réponse de la provocation. Ce n'est pas dire « en voyant encore un coup, il nous va voir ». C'est être tellement revêtu de l'amour de Christ dans notre cœur qu'on est prêt à prendre un autre coup. Parce que cet amour en nous surpasse toute connaissance, surpasse tout. C'est une expérience, ce n'est pas de la philosophie. Ça demande de passer par la mort, de laisser Dieu œuvrer en nous pour qu'on soit établi sur le fondement. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est que ce fondement nous parle de l'amour de Christ. L'amour de Christ, mes frères et sœurs. On est appelé dans les derniers temps là avec l'évangile qui progresse dans notre vie. Chacun de nous, nous devons permettre le progrès de l'évangile dans notre vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Juste. Quel est le but ? Paul donne des buts clairs, lui. Des buts clairs, il montre des choses réelles. Il leur dit, voilà ce qui va arriver. Ce n'est pas juste souffrir, supporter, jusqu'à ce que Jésus revienne et un jour, quand le Seigneur revient, ou bien quand on ira vers le Seigneur, ouf, on est sauvé. Mais c'est porter un état en nous avec l'amour. Et pour arriver à ça, il faut renoncer à nous-mêmes. Renoncer d'avoir une langue qui nous souille. Renoncer aux murmures, aux plaintes contre les autres. Mais supporter, souffrir, supporter la souffrance de la réaction de la chair et la faire mourir et supporter sa souffrance dans la mort jusqu'à ce que la mort agisse. Parce que quand la mort agit,
La mort produit la mort. C'est-à-dire que la chose qui vit, elle va arrêter de vivre. Si vous êtes en train de souffrir dans vos émotions, parce que dans votre vie, Dieu vous traite votre vie sur le plan émotionnel au niveau de vos relations, il y a un travail qui se fait en vous, vous ressentez une souffrance, parce que cette partie de vous dans la chair est émotionnelle dans les relations, Dieu veut traiter cela, il y a une souffrance, vous prenez votre croix, vous comprenez comment ne pas faire vivre cette chose-là, mais vous la faites mourir. Mais il y a un moment où vous devenez libre de cette affaire, parce que cette affaire en vous, cette réaction, cette attitude, cette chose charnelle, elle meurt. C'est une œuvre, c'est l'œuvre de la mort. Elle meurt. Et quand elle meurt, Christ vit en vous. Alléluia. Et Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'impression de perdre, ce n'est pas l'impression, ce n'est pas se demander où est-ce qu'on en est. Quand Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. On est heureux. On est content de vivre pour lui, même si les autres nous abandonnent. Hein? C'est la vie chrétienne. Ne trouvez pas drôle si votre famille vous abandonne. Ne trouvez pas drôle si vos amis vous tournent le dos. Ne trouvez pas drôle si vos collègues vous persécutent. Ne trouvez pas drôle si votre patron vous licencie. C'est des choses qui peuvent arriver pour des raisons de religion. Mais ne trouvez pas ça drôle, au contraire. Pierre dit, ne trouvez pas cela étrange. Ce sont des choses qui arrivent, la fournaise, elle est là. Hein? Mais il faut se préparer au fur et à mesure dans les petites épreuves. C'est comme le Seigneur dit à Jérémie, eh ben, si tu te fatigues quand tu cours avec les piétons, eh ben, comment est-ce que tu vas faire quand tu voudras courir avec les chevaux? Hein? Tu as des petites épreuves, Jérémie. Tes épreuves, c'est courir avec les piétons. Tu n'arrives pas à lui faire face. Tu n'arrives pas à faire face à tous ceux qui marchent en Israël, qui te persécutent. Mais quand les chevaux vont venir, comment tu vas courir? Tu vas pouvoir courir avec eux. Comment tu vas pouvoir faire face quand l'ennemi viendra avec des armées sur des chevaux? Il faut que tu acceptes et que tu acceptes l'œuvre. Que tu apprennes, que tu t'exerces à la piété avec les piétons. Parce qu'il y a pire qui arrive, il y a les chevaux qui arrivent. Et souvent, nous faillissons avec les piétons. Nous renonçons à continuer à courir. Avec les piétons, nous avons des problèmes pour pardonner. Nous n'arrivons pas à faire face aux défauts des uns et des autres. À l'injustice et à toutes ces choses. Ce sont des choses qui nous affectent, qui nous découragent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le bon fondement. On est sur un fondement charnel. Mais le Seigneur veut nous établir sur le fondement de l'amour. Alléluia. Hein? L'amour de Christ. L'amour, c'est le plus haut niveau de justice. L'amour de Christ, c'est le plus haut niveau de justice à vivre. Parce que Paul dit concernant les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage. Enfin, tous les commandements sont accomplis dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. La loi, c'est quoi? Quand Dieu donne sa loi, c'est afin que son peuple vive selon sa justice. On me suit là? Et l'amour, c'est l'accomplissement de ça. Ce qui veut dire que l'amour par lui-même, il accomplit tout ça. Le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour, c'est le plus haut niveau d'accomplissement de la justice de Dieu. Quand quelqu'un aime, on n'a pas besoin de lui apprendre qu'il ne faut pas faire ci ou qu'il ne faut pas faire ça.
L'amour en lui-même le fait vivre comme ça. Parce que l'amour est plus grand que des commandements. L'amour accomplit les commandements. L'amour est plus grand. Et encore plus l'amour de Christ. Parce que l'amour de Christ, c'est tu aimeras ton prochain comme toi. C'est que, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le nouveau commandement. Ce n'est plus seulement tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que maintenant, le Seigneur nous relie à son amour. C'est avec son amour que nous allons vivre. C'est quand même une plus grande puissance. Donc, l'amour de Christ, c'est le plus haut niveau de justice. Quand quelqu'un vit avec l'amour de Christ, non seulement il accomplit les commandements de la loi qui lui interdisent de faire le mal, parce que la loi, c'est tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela. C'est-à-dire, ne fais point de mal à ton prochain. Non seulement il ne fera pas de mal à son prochain, mais quand c'est l'amour de Christ, il fera le bien pour son prochain. Parce que l'amour de Christ, c'est le secours de Dieu envers les hommes. La justice, la plus grande justice, c'est secourir notre prochain. C'est pourquoi la justice de Dieu par Jésus-Christ est venue vers nous pour nous secourir. Pour nous secourir, Dieu a manifesté le plus haut niveau de justice, c'est son amour. Par Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est venu et il nous a aimés et il est mort pour nous. C'est la plus grande manifestation de la justice de Dieu. C'est pourquoi le salut qui est né en Dieu au travers de cette justice provient de son amour. Et c'est puissant. Parce que Dieu nous aime en permanence. C'est pourquoi c'est extraordinaire, mais la justice qu'il nous donne quand nous sommes justifiés. La justification, c'est quelque chose qui ne change pas. Parce que l'amour de Dieu ne change pas pour nous. Quand Dieu nous justifie, il ne touchera plus à cela. Eh, hey, c'est pas une bonne nouvelle? Hein, c'est une bonne nouvelle? Ça vient de l'amour. Vous savez, l'amour de Dieu fait que Dieu nous sauve parfaitement. Parce qu'il nous aime parfaitement, il nous sauve parfaitement. C'est pas un petit travail de salut à peu près. Et à cause de cela, nous pouvons avoir foi en Dieu, en Jésus-Christ. Parce que nous savons avec assurance que nous serons sauvés. Parce que Dieu a déjà tout fait, il a déjà manifesté son amour et il a manifesté sa justice de la manière la plus parfaite, de manière à ce que personne ne puisse y toucher. Parce que toucher à sa justice, c'est toucher à son amour. C'est comme vouloir faire croire que Dieu change. Non, Dieu ne change pas parce que son amour ne change pas. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à saisir ces choses un peu. Si vous les comprenez, ça vous rendrait heureux. Ça nous rendrait heureux de bien comprendre ça. C'est pourquoi, si vous regardez l'histoire du bon samaritain, vous connaissez l'histoire du bon samaritain? On va répondre. J'espère avoir le temps de répondre à deux questions que nous nous posons dans la Bible quand nous lisons. Peut-être il y en a une que vous ne vous posez pas, mais moi, je me la suis posée. Bon. Mais regardez, on connaît l'histoire du Samaritain. OK, un homme là qui est roué de coups, on ne va pas lire tout ça pour prendre moins de temps, mais on sait qu'il y a un samaritain, il y a un sacrificateur qui a trouvé cet homme qui est passé à côté. D'accord? Il y a un lévite qui passe à outre aussi. OK? Mais le verset 33 nous dit « Un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à Lot,
Il ne s'est pas arrêté. Hein? Il a emmené la victime à l'hôtel, dans l'hôtellerie. Et il n'a pas dit, ok mon ami, maintenant moi j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, ben, compte sur la grâce de Dieu. Non, il a donné 2 deniers. Et il a dit, aie soin de lui. Et il a dit en plus, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ça, c'est un encouragement pour chacun de nous. Parce que ce que nous, personnellement, on va dépenser pour la cause du Seigneur, il va nous rendre à son retour. Donc, on voit là que Jésus, finalement, est en train de parler de lui-même. Il est ce voyageur qui est venu de loin, c'est Jésus. Et il nous a trouvés dans ce monde roué de coups. Et il ne faut pas compter sur les religieux pour avoir le cœur de Dieu, pour nous sauver, pour nous tirer de là. Mais lui, il est venu avec l'amour et la compassion de Dieu. Hein? Le verset 36 nous dit, et la question est un peu étrange, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, le docteur de la loi qui va susciter cette histoire-là, il a posé une question. Il a dit, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et au verset 27, au verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a des versions parallèles ailleurs dans Luc qui disent, tu aimeras ton prochain, aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, c'est le commandement qui est semblable au premier. OK? Donc, ça, il a répondu ça. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Vous êtes déjà demandé qui est votre prochain? Enfin, on se dit, est-ce que c'est mes enfants, ma famille, est-ce que c'est le monde, est-ce que l'Église, est-ce que quoi? Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne va pas répondre à sa question, mais il va poser une question pour lui faire comprendre quelque chose d'important. Et c'est là qu'au verset 36, il dit, lequel de ces trois, c'est-à-dire entre le sacrificateur, le lévite et le samaritain, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Lui, il veut savoir qui est mon prochain. Normalement, là, on est intéressé à savoir, si on parle de celui qui est tombé au milieu des brigands, ben, il est notre prochain, c'est lui qu'on doit secourir. J'aimerais mon prochain comme moi-même, eh ben, il est malade, il est roué de coups. C'est une victime, c'est mon prochain que je dois secourir. Mais Jésus ne lui parle pas de cela. Jésus lui dit, lequel de ces trois a été le prochain de cette personne? C'est-à-dire, il faut savoir de qui nous sommes le prochain. Oula. Non, pas qui est ton prochain, mais de qui tu es le prochain. Qui a été le prochain de cette personne-là? Bien sûr, c'est le Samaritain. C'est celui, verset 37, qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Mais le Seigneur veut lui montrer quelque chose d'important, qui nous enseigne concernant Dieu. Parce que Jésus est venu nous secourir, hein. Et Jésus lui-même nous a vus, lui-même il se sent le prochain de chacun de nous. Comment ça fait la relation là? Il est le prochain de chacun de nous. C'est pas juste que qui est le prochain de Jésus, c'est que Jésus se sent le prochain de chacun de nous. La base c'est ça, parce que c'est à partir de là qu'on va exercer la miséricorde, on va exercer l'amour. Pourquoi? Parce que le Seigneur,
quelque part, est en train de le renvoyer à ce que Dieu est pour chacun de nous. Par Jésus-Christ et à ce que Dieu est. Vous savez que Dieu nous a créés à son image? Je sais que ça a pris une tournure un peu compliquée, ce que je suis en train de vous dire. Mais vous allez comprendre. Vous allez en retirer quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, sans exagérer, que quelque part, Dieu, nous ayant créés à son image, il puisse se ressentir le prochain de l'homme? Et il peut voir dans l'homme que l'homme est son prochain, quelque part. L'homme a été créé à son image. C'est pourquoi Dieu exerce la miséricorde envers lui. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, qui est le prochain de cet homme parmi ces trois hommes-là? C'est le bon samaritain. Et je vous ai dit, le bon samaritain, ça parle de lui-même, le Seigneur qui est venu pour exercer la miséricorde. Il nous a trouvés dans ce monde, dans nos péchés. Il avait un amour, une compassion en lui. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cet amour qu'il a, c'est cet amour qu'il porte pour l'homme. C'est pourquoi Jésus est devenu un homme dans la chair. Pour bien ressembler à l'homme, pour s'identifier à l'homme, pour devenir le prochain de l'homme et que l'homme soit son prochain, pour qu'il le secoue. Ah, j'ai dit, Seigneur, comment je vais expliquer ça ce soir? Mais là où je veux en venir, c'est que l'amour de Dieu, c'est le fondement de toute chose. C'est de là que tout commence. C'est l'amour. C'est à cause de son amour pour, entre guillemets, on ne va pas en faire une doctrine qui va durer ou une doctrine, on ne va pas établir un truc, mais quelque part, sans dire que l'homme est Dieu, ou que l'homme ressemble à Dieu au point que on ne va pas mélanger les deux, mais quand même, Dieu s'identifie à l'homme, il voit dans l'homme son image. Dans ce sens, l'homme est son prochain et il est lui-même proche de l'homme. Donc, c'est cette connexion qui fait que dans son amour, il a envoyé Jésus nous sauver. Ce qui veut dire que c'est l'amour que tout a commencé avec l'amour que Dieu porte pour nous. Si on n'a pas l'amour comme fondement, on ne fera rien pour notre prochain. Il faut l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le début de toute chose. Pour vraiment amener le cœur de Dieu, secourir, faire l'œuvre de Dieu, accomplir la justice de Dieu, si nous n'avons pas l'amour de Christ, si nous ne sommes pas fondés dans l'amour, nous n'allons pas nous ressentir le prochain des autres. Et nous allons oublier qu'ils sont notre prochain. Et nous pourrions faire comme le sacrificateur et le lévite et passer à côté et ignorer qu'il y a là quelqu'un dont nous sommes proches qu'il faut secourir. Et que ce n'est pas la loi qui doit nous dicter qu'est-ce qu'on doit faire parce que le sacrificateur et le lévite, ils ont raté. Mais c'est l'amour. Le samaritain avait l'amour. Il n'y avait pas des lois. Il n'avait pas des commandements. Peut-être qu'il en avait, mais lui, c'est ému de compassion. Et tout doit retourner à l'amour. Tout commence avec l'amour. De qui on se sent le prochain? Si l'amour de Christ est en nous, on va sentir tous les hommes sont notre prochain parce qu'on va savoir que nous sommes le prochain de tous les hommes. Parce que l'amour de Dieu habite en nous, Dieu nous fait porter ce sentiment-là, qu'il aime les hommes, qu'il veut les sauver. Ce n'est pas un principe de vouloir les sauver, c'est parce qu'on les voit avec l'amour de Dieu roué de coups et qu'on voit qu'il n'y a que Dieu qui va s'arrêter là.
Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous amener à faire ce qui s'est passé là. Le mettre sur notre monture, l'emmener à l'hôtellerie, payer pour ses soins et dire à l'hôtelier, eh ben, ce qui manque, je le paierai à mon retour. C'est l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout comme ça. L'amour de Dieu va jusqu'au bout. Mais si on n'a pas l'œuvre de Dieu pour déraciner en nous l'égoïsme humain, l'amour humain qui est égoïste, qui attend des autres, qui se sent mal aimé, et on vit avec ça, mais on n'aura jamais le sentiment que nous sommes le prochain de ceux qui souffrent. Nous avons toujours l'impression que les autres ont besoin de ressentir notre souffrance. Mais l'amour de Dieu qui vient nous remplir inverse le sentiment. Ça inverse. Et là, nous n'avons plus d'attente, mais nous avons un cœur pour secourir. Et là, nous accomplissons la justice de Dieu dans sa perfection par l'amour de Christ qui a gagné notre cœur. Et ça ne vient pas comme ça, on l'a lu. Paul dit, je prie que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, parce que Dieu va travailler. Il y a des parties de nous-mêmes qui sont tellement charnelles, qui nous empêchent de porter l'amour de Dieu et d'exercer la miséricorde. Parce qu'on est trop préoccupé par nous-mêmes, et tellement préoccupé par nous-mêmes que notre cœur se gâte envers notre prochain. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur dit que le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est semblable au commandement qui dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée » Il dit que ça lui est semblable. Pourquoi est-ce que c'est semblable? C'est quand même fort hein, de dire ça. Pourtant, il s'agit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est semblable à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force? Pourquoi est-ce que c'est semblable? Même si ce commandement-là, c'est le plus grand. Mais pourquoi Jésus dit que c'est semblable? Parce que c'est le même amour qui se manifeste dedans. C'est le même amour. Tu ne peux pas aimer Dieu, d'ailleurs Jean le dit. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton prochain, ton frère que tu vois? Mais quand tu vois ton frère, si tu as l'amour de Christ en toi, tu vas l'aimer parfaitement, le secourir, être avec lui. Le manque de l'amour, finalement, creuse l'écart entre nous. Le manque de l'amour de Christ. C'est pourquoi Paul dit « jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Il faut que l'amour vienne remplir nos cœurs. Quand ? Après qu'on renonce à nous-mêmes et que Dieu nous brise et que Dieu travaille nos vies et qu'on renonce à ce qui est charnel, ce qui est émotionnel et qu'on comprend que nous sommes éprouvés dans nos relations, nous sommes éprouvés dans notre foyer, nous sommes éprouvés dans beaucoup de choses parce que Dieu veut faire émerger son amour de nos cœurs et qu'on va trouver dans cet amour que eh ben, on aime Dieu, l'amour avec lequel on aime Dieu, c'est semblable. Quelque part à l'amour qu'on porte vers notre prochain. Au fait, c'est semblable parce que cet amour-là, c'est ça qu'on amène vers les autres. Mais entre les deux, il y a notre nature charnelle, la chair, qui ne conçoit pas l'amour de Dieu, qui ne conçoit pas les choses de Dieu. L'amour supporte tout. Ah, mais c'est bien joli, ça. L'amour excuse tout. Oui, excuse tout. Quand l'amour gagne le cœur, l'amour excuse tout, l'amour pardonne, l'amour passe sur les fautes. C'est l'amour de Dieu en nous, mais il faut qu'il y ait le renversement de notre amour charnel qui dépend de ce que les autres ont et de l'attention des autres pour avoir un cœur qui mûrit, qui grandit, où on pourra donner notre vie pour notre prochain sans dépendre de ce qu'il nous donne en retour. Hein? Moi, je vous dis, moi, on peut être bien testé.
Vous pouvez être quelqu'un, un bon gaillard, un bon frère, un bon chrétien, dans votre quartier. OK? Et vous voyez votre voisin là, qui est en train de tondre son gazon, il peine un peu, et vous frappez à sa porte, vous dites, tu veux que je t'aide? Hein? Et puis là, l'amour. Hein? C'est bon, non? Hein? Tu vois la vieille dame qui passe devant toi avec son fardeau, son... Madame, vous voulez que je vous aide? Où est-ce que vous habitez? Ben, il habite loin là-bas. Allons, madame. Hmm? Super. Mais maintenant, demain, vous êtes éprouvés. Et ces gens que vous avez aidés, ils vous tournent le dos. C'est là qu'on voit sur quel fondement se trouve votre amour. Hmm? C'est là. Quand les choses, quand il n'y a pas de retour, c'est là que vous êtes éprouvé et que vous trouvez ce qui est émotionnel. Parce que ce qui est émotionnel et charnel attend toujours un retour. Et quand vous l'avez trouvé, cette demande d'un retour, là, vous devez savoir que Dieu doit œuvrer en vous pour brûler tout ça, cautériser tout ça, pour que vous puissiez aimer même s'il n'y a rien en retour. Et ça, c'est la victoire du chrétien. Il arrive à aimer. C'est comme ça qu'il pardonne, il arrive à oublier, il arrive à passer sur les affaires. Et si tout son voisinage qui l'a aidé, un jour, sa maison a brûlé, personne ne fait pas rien, tout le monde passe à côté de lui, il ressent l'amour dans son cœur pour tous ces gens-là. C'est pas naturel, ça, hein? Hein? C'est l'amour de Christ sur la croix. Tous l'ont abandonné. Mais il aime et il pardonne. Dieu veut nous amener, nous faire grandir vers cet amour-là. Cet amour-là, c'est un fondement inébranlable. Arrive ce qui arrive, mais voilà où mon cœur est, voilà l'amour de Dieu en moi. Il est là pour toi. Et demain, quand je reconstruis ma maison qui a brûlé, que les choses sont restaurées, mon voisin, il a besoin d'un coup de main pour couper son gazon, je suis là, avec plus d'amour dans mon cœur pour l'aider à couper son gazon. Et pareil pour la vieille dame, et pareil pour l'autre, et pareil pour l'autre. Je serai là parce que ma vie ne dépend pas de ce que l'on me fait. La vie, ma vie dépend de l'amour. Mon fondement, ce n'est pas les autres. Mon fondement, c'est Christ en moi. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens passent des années à rater ce travail-là. Oh, ça recommence même. Ça recommence même. On rate et ça recommence même. Les épreuves reviennent. On dirait qu'il faut saisir ça pour grandir, pour passer une autre étape. Hein? L'amour doit être notre fondement. De là doivent sortir ou se manifester toutes les œuvres de Dieu. Ça doit être notre fondement. On ne l'a pas naturellement. On l'a, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais ça a ses limites. Les limites de l'amour, c'est les limites que la maturité nous donne. Non ? On a de l'amour, mais il y a une limite. Il faut que cette limite-là recule au maximum. Comment faire reculer les limites? C'est l'œuvre de la croix en nous qui fait reculer les limites de la chair pour nous remplir plus de l'amour de Christ en deçà de ces limites. Vous comprenez là? Et ça, ça fait mal. Et il faut accepter de souffrir pour cela. Souffrir quoi? Souffrir quoi? Mais souffrir, ce qu'on ressent en nous, qui n'aime pas être maltraité, qui n'aime pas l'injustice, et on souffre. Pourquoi on souffre? Quand vous souffrez, c'est vous qui souffrez, non? Quand je souffre, c'est moi qui souffre. La solution à ma souffrance, c'est quoi? C'est que j'arrête de souffrir à moi. Eh. Non mais... Je ne sais pas si vous comprenez la simplicité de ce que je vous dis là. Hein? Il faut que j'arrête de souffrir, moi.
pour que si les autres continuent, eh ben moi, j'arrête de souffrir. Mais c'est ma réponse qui fait souffrir. C'est souvent ma réponse. Souvent, il y a de l'affliction déjà malgré ça, c'est sûr. Il y a de l'affliction. Attention. Mais il y a une part de souffrance qui est charnelle, qui m'empêche de grandir, parce que je réagis mal, je murmure, je gâte mon cœur, je ne pardonne pas. J'ai les représailles, j'attends l'occasion. Et je ne rate pas quand l'occasion arrive. Mon cœur est mauvais, mon cœur s'endurcit, et l'amour de Christ ne demeure pas dans un cœur comme ça. Il faut souffrir la mort de toutes ces affaires. Pardonner et ressentir que ce pardon de la croix là nous coûte. Ça fait mal, mais on pardonne et on surpasse la douleur en faisant ce qui est bien. Et la plaie se referme. La plaie se referme. Sinon, elle reste ouverte. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est moi qui joue dans cette plaie là. Je n'accepte pas qu'elle se referme par la puissance de Dieu. C'est moi-même qui joue là-dedans. Avec mes commentaires, avec mes réactions, avec ce que je fais, avec ce que je dis, je me fais du mal à moi-même. Il faut que j'apprenne à arrêter. J'ai envie de lui dire. Il ne faut pas que je lui dise. Il faut que j'apprenne. On ne peut pas être parfait dans ces choses-là, mais on peut grandir. On peut, là où on rate, on peut se repentir, on peut demander au Seigneur son aide. Pour grandir dans l'amour, parce que je veux avoir la plénitude de l'amour de Christ en moi. Ça ne va pas venir juste comme ça. Ça sera en moi, mais ça va, c'est comme si ça part et ça revient. Ça part, mais j'ai besoin d'être fondé dedans. C'est une œuvre. Hein? C'est comme ça que quand le travail se fait, peut-être qu'on a eu une vie où on s'est senti rejeté. Mais quand ça se fait, on ne se sent plus rejeté. On arrête de souffrir le rejet, se sentir rejeté. Hein? Il passe à côté de moi, il a donné la main, hein, il ne m'a pas embrassé, l'autre est embrassé, l'autre est... et on est dans des comparaisons. Je l'ai croisé en ville, elle ne m'a pas dit bonjour. On se sent rejeté. Il y a quelque chose en nous qui nous fait ressentir que... Enfin, je ne vais pas chanter le mal-aimé. Il y a un chanteur qui a fait un chant, le mal-aimé. On se sent mal-aimé. Et là, on souffre. Je ne dis pas que cette souffrance n'est pas réelle, mais il faut en faire quelque chose. Il faut faire mourir cela. Il faut comprendre que c'est charnel. Que tu dois faire mourir, tu dois renoncer à ça. Et tu dois te dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette personne m'aime. La situation, la circonstance est un mensonge. On dit, ouais, non, c'est vraiment arrivé. Oui, mais c'est ta réaction. C'est ta chair qui transporte le mensonge. Ta chair te fait ressentir que tu es rejeté. Dans la réalité, tu n'es pas rejeté. Peut-être qu'il ne t'a pas vu. Et même s'il t'a vu, tu dois dépendre de ça. Tu dois être malade. Et frères et sœurs, il faut grandir pour avoir l'amour de Dieu en nous. Amen. Et là, non seulement on arrête, quand on a l'amour de Christ, on arrête d'accuser les chocs, mais on est prêt à exposer notre vie comme Jésus a donné notre vie pour aimer, pour exercer la miséricorde, pour secourir. On est prêt à le faire. Et là, on est prêt. Parce que parfois, quand on va exercer la miséricorde, le malade peut nous donner une gifle aussi, hein? Ah, il y en a qui vous dit, tu sais pas ce qu'il m'a fait, c'est ingrat. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour lui, voilà ce qu'il m'a fait. Eh bien, il faut grandir. Lui, Dieu s'occupera de lui. Mais toi, si ça arrive, c'est que Dieu estime qu'il y a quelque chose de plus grand qu'il veut accomplir en toi. Il y a quelque chose de plus grand qu'il veut faire en toi, que tu crois être en train de perdre. Il y a quelque chose de plus grand. Il veut t'établir sur le fondement de son amour. Et après, lui, il peut changer les situations comme ça.
Mais tant que tu réagiras dans la chair, ton cœur va s'envenimer, va se gâter, et tu ne seras pas bien. Pardonne. Crie au Seigneur, pardonne. Surmonte le mal en faisant ce qui est bien, fais-le. Mais beaucoup de chrétiens ne grandissent pas à cause de ça. Ils restent immatures. C'est des bébés qui sont dans le BSO. Quand arrive l'heure pour avoir le lait, ils crient et ils pleurent. Ils tapent des pieds. Mais quand on grandit, on sort du BSO. C'est nous qui allons donner du lait aux petits frères. C'est nous. Il y a une maturité que le Seigneur veut nous donner, mes frères et sœurs. La maturité de l'amour de Christ en nous. Grandir et ne pas ignorer nos sentiments, nos doutes concernant Dieu, ça aussi, ça atteint notre foi, et concernant notre prochain. Concernant notre prochain. Surmonter et s'accrocher à l'amour de Christ pour les autres. Et porter l'amour de Christ vers les autres. Il y a le combat de la foi dont Paul a parlé, et là, il y a le combat de l'amour aussi. Ah oui. Amen. On comprendra pourquoi on est éprouvé ou pourquoi on a été éprouvé. Quel est le cœur que Dieu veut former en nous? Pourquoi ça nous arrive? Parce qu'on est une victime. Parce que Dieu, il nous a vus là-dedans et il s'est dit, ah la pauvre, j'espère qu'elle tiendra le coup. Oh là là. Elle est en train de prendre des nouvelles avec l'ange qui veille sur elle. Comment ça va avec elle là-bas? En ce moment, ça ne va pas trop. Oh mon Dieu. Oh là. Vous croyez que Dieu est comme ça, hein? Vous croyez que Dieu a une grande salle dans laquelle il marche parce qu'il est un peu inquiet? C'est lui qui contrôle toutes choses. Quand il permet une chose, il sait ce qu'il veut faire, mon frère. Ne rate pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quand tu es secoué sur ton vieux fondement charnel, ne rate pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et il y aura une souffrance. Ta souffrance, bien sûr, elle est suscitée par les situations, mais la vraie souffrance, c'est ce que ta chair te fait ressentir. Et elle, il faut que tu la fasses mourir en pardonnant, en faisant ce qui est bien. Et c'est là où l'amour de Christ prendra le dessus. Alléluia. Hein? Donc, quel problème on doit avoir entre nous, là, ce soir, là, là, là? Vous avez un problème avec qui, vous, là? Si vous avez un problème, c'est parce que vous n'avez pas pardonné. Ah oui? Vous avez un problème avec quelqu'un? Il y a un problème avec quelqu'un? Vous avez un problème avec quelqu'un? Pourquoi vous avez un problème avec quelqu'un? Peut-être que vous n'avez pas pardonné. Ce n'est pas tant la circonstance. Peut-être la circonstance ne changera pas. Peut-être cette personne ne comprendra même pas qu'est-ce qu'il faut changer. Comprendra même pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a une croix à prendre pour que l'amour grandisse en nous. C'est ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Ok? Vous êtes sortis de la phase de mal de tête, là? Vous êtes ok? On remercie le Seigneur parce qu'il est bon. Il est venu exercer sa miséricorde et il nous dit, voilà, fais de même toi maintenant. Il dit, qui a été le prochain? C'est ça qu'il faut que tu trouves. Ben, toi, fais de même. Sois le prochain de l'autre. Avec l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu sais avec ton amour, tu ne feras pas de même. Mais allons grandir, allons ouvrir notre cœur pour grandir. Comment? En comprenant les voies du Seigneur, en n'étant pas confus. Allez, mettons-nous debout. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu est venu vers nous. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Père céleste. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu dans le ciel. Un Dieu merveilleux, parfait. La Bible dit que les méchants n'ont pas ça parce qu'ils ne veulent pas.
mais c'est tellement parfait, c'est tellement bon. La création témoigne. La création même témoigne de la perfection de Dieu dans ses voies, dans son amour, dans ce qu'il est. C'est clair pour nous. C'est clair. Nous le remercions. Un jour, nous serons avec lui. Mais ici-bas même, il a prévu qu'on goûte à de grandes choses avec son amour, qu'on porte son amour dans notre cœur les uns pour les autres et pour le monde. Alléluia. Et vous savez, quand on se sent le prochain de quelqu'un, on sait que ce quelqu'un-là a besoin de nous. Hein? Dieu savait que l'homme avait besoin de lui, que l'homme ne pouvait pas sortir tout seul. Et quand on sait de qui on est le prochain, on sait que ce prochain-là, lui-là, il a besoin de moi. J'ai quelque chose pour lui. Et mon amour va faire que je mettrai tout en œuvre pour lui donner ce que j'ai. Ce n'est pas la loi et l'obligation, c'est mon amour, parce que je suis son prochain. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si vous êtes le prochain de quelqu'un, vous êtes celui qui peut secourir. Cherchez pas qui est votre prochain, cherchez de qui vous êtes le prochain. Et mettez-vous à l'œuvre et vous grandirez dans l'amour de Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta bonté et pour ta grâce. Merci d'étendre ta main sur ton peuple ce soir. Ton peuple qui cherche à te connaître. Seigneur, tes voies sont parfois incompréhensibles. Nous avons besoin de ta grâce pour comprendre, pour connaître tes voies. Même pour comprendre cet amour, pour l'avoir pour tous les saints dans notre cœur. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Car ce que tu portes, ce que tu es, est tellement éloigné de ce que nous sommes. Révèle-nous les choses d'en haut, Seigneur. Révèle-nous les choses d'en haut. Et montre-nous l'importance de prendre notre croix pour te suivre. Pour que la chair meure dans toutes ses dimensions. Toutes ses œuvres doivent mourir. Merci, Seigneur. Qui veut remercier le Seigneur ce soir? Alléluia. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés. Il veut nous remplir de son amour. Il veut œuvrer en nous. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Oh, tu es bon. Oh, alléluia. Si on aime Jésus ce soir, allons lever nos mains vers lui, allons l'aimer, allons l'adorer. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime. Alors chacun de nous, on doit savoir quel don Dieu nous a donné, de quoi le Seigneur nous a équipés. Est-ce que Dieu veut mettre sur nous un programme et nous forcer à mettre à la disposition des autres le don qu'on a reçu? Il veut que ça soit comme pour lui, il veut que ça se passe par l'amour, volontaire, libre.
Donc toi, tu n'as pas à cœur de servir le Seigneur avec l'amour de Dieu, pas forcé, mais venir avec son amour. Mettre le don que tu as reçu à la disposition de l'Église, à la disposition des autres, pour que les autres voient l'amour de Dieu. Hein? Et les ténèbres seront confondues. Le monde sera confondu. La lumière brillera. Parce que c'est par l'amour que la lumière de Dieu brille. Amen. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, rendez-vous serviteurs. Il dit, par l'amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Pas par la loi. Par amour. Par l'amour, rendez-vous serviteurs. Mais si tu n'as pas cet amour, tu ne vas pas ressentir le besoin de servir. Parce que c'est par l'amour que tu vas servir. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'œuvre de Dieu qui fait ça, après, il ne faut pas attendre la perfection. Pendant qu'on donne notre vie, pendant qu'on obéit au Seigneur, pendant qu'on sert, Dieu travaille nos vies. Alléluia. Faites le bon choix, mes frères et sœurs. Faites le bon choix. Servez le Seigneur, servez les autres. Servez le royaume de Dieu. Soyez le prochain des autres. De qui tu es le prochain, toi, la question, c'est ça. De qui tu es le prochain, hein? Toi, de qui tu es le prochain? Donne ta vie. Sois le prochain de ton prochain. Hein? Alléluia. Mettons en pratique ces choses. Mettons-nous à l'œuvre. Ne nous contentons pas d'être un chrétien né de nouveau qui suit comme ça. Mais nous voulons servir le Seigneur, nous voulons transporter son amour, participer à sa nature, à son cœur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur, éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Amène la lumière dans nos cœurs. Que nous puissions voir cela, voir cet amour. Cet amour pour tous les saints, cet amour que tu portes toi-même dans ton cœur pour ton Église. Tu veux nous faire participer à cela. Oh, merci Seigneur. Merci. Tu es bon. Édifions-nous sur le bon fondement. Prions par l'Esprit. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Jude dit, prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde, la manifestation du Seigneur. Hein? Ça ne vient pas comme ça. Priez par le Saint-Esprit. Être baptisé dans l'Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alléluia. Ok. On se sépare là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus.